Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui le 8e dimanche après la Pentecôte, mais nous faisons aussi mémoire de Sainte-Anne, puisque nous sommes le 26 juillet, fête de Sainte-Anne. Sainte-Anne, la mère de la très sainte Vierge Marie, elle est la patronne de la Bretagne, et nous saluons à cette occasion tous nos fidèles bretons. C'est Saint Pidis qui l'a officiellement, même si elle est vénérée depuis si longtemps en Bretagne, mais c'est Saint Pidis qui l'a déclarée patronne de la Bretagne. Ceux qui connaissent Jérusalem savent que, avant d'emprunter la voie douloureuse, quand on rentre dans la vieille ville de Jérusalem, au nord du temple, par la porte des Lions, il y a tout de suite sur la droite une église, qui est l'église Sainte-Anne. On appelle aussi l'église de Sainte-Probatique. Tout près de l'esplanade où était autrefois le temple de Jérusalem. Selon la tradition, et une tradition très ancienne, puisqu'elle remonte au IIe siècle, là se trouvait la maison de Sainte-Anne et de Joachim, qui sont les parents de la Vierge Marie. C'était un couple pieux, saint, mais qui n'avait pas d'enfants. Et alors qu'ils étaient avancés en âge, eh bien, le bon Dieu a fait que Saint Joachim et Sainte Anne ont pu avoir un enfant, une petite fille, et que cette petite fille était appelée à une grande destinée, puisqu'elle allait devenir la mère de Dieu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, entre parenthèses, on invoque souvent les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant, on invoque souvent le patronage de Sainte Anne, et elle a produit de grands miracles avec l'aide de Dieu. Oui, donc dans cette église Sainte-Anne de Jérusalem, on vénère le lieu de la naissance de la Vierge Marie, et aussi le lieu de son Immaculée Conception, puisque c'est là que vivaient Joachim et Anne, et donc c'est là que la Vierge a été conçue sans péché. La représentation très traditionnelle et ancienne que l'on a de Sainte-Anne la représente avec assise, avec à côté d'elle, debout, la Vierge Marie, qui a environ 6 ou 7 ans, et Sainte-Anne lui ouvre un livre, ou montre un livre, et la Sainte Vierge, très attentive, écoute ce que dit sa mère. En effet, bien chers frères, nous aurions tendance à croire que, puisque la Sainte Vierge était immaculée dans sa conception, dès le premier instant de sa conception, qu'elle a été préservée de tout péché, eh bien qu'elle n'a pas eu besoin d'éducation. Et ça, c'est une erreur. Et c'est toute la gloire et l'honneur de Sainte Anne et de Saint Joachim, c'est d'avoir perçu les excellentes dispositions de cette petite fille, et de les avoir développés. Sans doute que dans cette représentation classique que l'on a de Sainte Anne enseignant la Sainte Écriture à la Vierge Marie, elle lui montre le passage tant connu des Israélites du temps de notre Seigneur, de ce passage d'Isaïe qui annonce que la Vierge enfantera un enfant. C'est l'annonce de la maternité virginale. Sainte Anne ne sait sans doute pas qu'elle parle à la future Mère de Dieu, et la Vierge Marie sans doute ignore totalement dans son jeune âge que c'est à cela que le bon Dieu la prédestine, mais elle connaissait les Écritures, car toute jeune fille en Israël à l'époque, eh bien, devait se préparer à élever éventuellement le Messie, puisque le Messie devait naître d'une fille d'Israël. Et donc on invitait les jeunes filles à vivre saintement pour se préparer
à cet honneur éventuel que le bon Dieu pouvait leur donner. Et donc la Vierge Marie a été éduquée dans cet esprit. Cette éducation, Sainte Anne et Saint Joachim l'ont vraiment prise au sérieux et, profitant de la situation de leur maison tout près du temple, ils ont confié la Vierge Marie, enfant, au ministre du temple qui veillait d'une manière particulière sur la formation des jeunes enfants pour en faire des âmes qui vivent sous la loi de Dieu. Et donc la Vierge Marie a été élevée dans le temple et là elle a découvert les Écritures, elle les a approfondies, elle a vécu cette sainteté que déjà l'Ancien Testament enseignait, et l'on sait qu'elle a consacré sa virginité déjà très jeune. Vous savez que la Vierge Marie deviendra la mère de Dieu à l'âge de 15 ou 16 ans, selon la tradition. Et donc elle a consacré sa virginité, tout en laissant à Dieu la possibilité, bien sûr, de reprendre ce vœu de virginité, puisque le salut d'Israël et le fait de devenir la mère de Dieu passé avant. Et donc, Sainte Anne et Saint Joachim ont vraiment pris cette éducation au sérieux. Et ensuite, eh bien, quand la Vierge Marie a eu 15 ans, ils ont cherché un bon époux pour elle, et ils l'ont trouvé dans la personne de Joseph, notre Saint Joseph, pour veiller sur cette jeune fille, pour qu'elle vive saintement, qu'elle demeure dans les bonnes dispositions qui étaient les siennes. Et en cela, mes bien chers frères, Sainte Anne est un modèle pour nous, pour les pères, les mères de famille aussi. L'été, c'est une heure importante pour les chrétiens, non pas à cause des vacances, mais parce que c'est l'heure de souvent d'un choix d'une importance capitale pour l'éducation de leurs enfants. Le choix d'une bonne école. Un choix difficile et quelquefois crucifiant aujourd'hui, car les bonnes écoles sont devenues bien rares. Elles sont même quelquefois difficiles à choisir, car ça oblige à s'éloigner de son enfant pendant quelque temps. Elles sont souvent aussi, non pas excessivement coûteuses, mais elles ont du mal à concurrencer l'école gratuite de la République. Oui, bien chers frères, c'est l'heure du choix des bonnes écoles. Et tous, vous vous êtes posé la question, vous vous poserez cette question d'une importance capitale. Nous avons comme témoignage dans notre vie de prêtre souvent des parents qui sont de bons chrétiens, qui ne manqueraient pas à un commandement de Dieu, qui ont bien élevé leurs enfants dans leur jeunesse, très tôt, les premiers temps, ils l'ont enseigné, la Sainte Écriture, la Bible, le catéchisme, tout cela, ils ont donné le bon exemple à ces petits-enfants d'une vie droite et ces enfants montraient de bonnes dispositions. Et puis est arrivé le moment du choix de l'école. Et là, ils ont hésité et ils ont renoncé à choisir des écoles vraiment catholiques, des écoles où l'on enseigne non seulement la vie surnaturelle, mais même la vie naturelle. Et ils ont laissé leurs enfants partir dans des écoles qui sont pas trop mauvaises, diront-ils, moins mauvaises que les autres. Mais où finalement, toute la bonne disposition de l'enfant à la vertu a été piétinée, massacrée, hachée. Et quand arrive le temps de l'adolescence, quand arrive le temps où l'enfant prend sa liberté, les parents sont effrayés de voir que cet enfant qu'ils ont aimé et auquel ils avaient donné de bonnes dispositions, ils l'ont laissé détruire, ils ont laissé son âme être détruite par de mauvais professeurs, par de mauvaises influences, par de mauvaises amitiés. Et alors ils viennent nous voir et ils pleurent. Que pouvons-nous faire pour notre enfant qui maintenant, à 18 ans, est allé partir à vivre avec quelqu'un d'autre, qui ont abandonné la pratique, qui tout cela. Et on a presque envie de le dire, il est un peu tard. Il fallait y penser avant.
Et en échange, mes bien chers frères, combien de fois nous avons vu ses parents déchirés, mais préférant faire un sacrifice financier, sacrifice affectif, pour mettre leurs enfants pendant une période dans des écoles. Ils étaient privés d'eux pendant quelques temps, même si dans les écoles vraiment catholiques et de la tradition, on veille justement à ce que les enfants rentrent fréquemment dans leur famille pour garder ce contact familial. Eh bien, ces parents finissent par nous dire plus tard, quand arrive l'adolescence, nous ne regrettons pas ce sacrifice. Nous avons dû nous priver, les fins de mois étaient quelquefois difficiles. Nous avons effectivement vu un peu moins notre enfant que les autres enfants du monde. Mais maintenant, nous les avons, parce qu'ils sont là, ils sont formés. Ils recherchent dans la société ce qui peut aider à développer la vertu et le bien. Et ils font de bons mariages, et ils ont des enfants. Et ces parents, dans leur vieillesse, sont entourés, par une famille bien catholique. C'est le fruit de leur sacrifice. Bien, chers frères, Saint Joachim et Sainte Anne au ciel doivent se réjouir de cette famille chrétienne dont ils sont un peu à l'origine, puisque par le fiat que Marie a donné au plan de l'incarnation et de la rédemption, ils sont devenus comme les grands-parents d'une multitude de chrétiens. Cela valait vraiment ce sacrifice qu'ils ont fait. Prions, mes bien chers frères, vous tous qui avez à faire ce choix, prions beaucoup Sainte Anne pour qu'elle vous donne cette force et ce courage de donner vos enfants à l'Église pour qu'ils rentrent dans la vie éternelle et que là vous les retrouviez définitivement. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.